Conseil aux bons voyageurs. Ville au bout de la route et route prolongeant la ville. Ne choisis donc pas l'une ou l'autre, mais l'une et l'autre bien alternées. Montagne encerclant ton regard, le rabat et le contient que la plaine ronde libère. Aime à sauter roches et marches, mais caresse les dalles où le pied pose bien à plat. Repose-toi du son dans le silence, et du silence daigne revenir au son. Seul, si tu peux, si tu sais être seul, déverse-toi parfois jusqu'à la foule. Garde bien d'élire un asile. Ne crois pas à la vertu d'une vertu durable, ronds-la de quelque forte épice qui brûle et morde et donne un goût même à la fadeur. Ainsi, sans arrêt ni faux pas, sans licole et sans étable, sans mérite ni peine, tu parviendras, non point ami, au marais des joies immortelles, mais au remous plein d'ivresse du grand fleuve diversité. Une vie, une œuvre, Victor Ségalène ou le voyage au pays du réel. Une émission proposée par Claude Métra et Jean-Claude Loiseau, avec la participation de Gérard Massé et Gilles Manseron. Mais il garda longtemps le goût du chagrin dans sa gorge et d'une peine sans remède. Dans un texte encore inédit, L'essai sur soi-même, dont vous préparez, Gérard Massé, la publication aux éditions Fata Morgana, Victor Ségalène dit « Il faudrait reprendre plus objectivement, plus minutieusement la partie, avec non des œuvres, mais peut-être sa propre vie, la mienne, écrire d'avance mon autobiographie sous une forme constamment allusive. Je, écrire sa vie, non, mieux, écrire d'abord mon œuvre. » Cette note date du 25 octobre 1916. Ségalène mourra 3 ans plus tard. Et cette autobiographie, il n'aura pas le temps de l'écrire, sans doute d'ailleurs ne l'aurait-il de toute manière jamais écrite. Après tout, au-delà des accidents plus ou moins révélateurs de l'existence, la vie d'un écrivain n'est-elle pas d'abord celle de son œuvre, aussi imprévisible, aussi dangereuse et aussi féconde que soit toute dramaturgie personnelle. Dans l'histoire de notre culture, dans l'histoire de la sensibilité littéraire de ce pays, la place de Victor Ségalène est très étrange. Pratiquement occultée durant un demi-siècle, cette œuvre revit aujourd'hui avec un éclat incomparable, car elle apparaît comme une de ces expériences majeures qui donnent tout son sens à la littérature. Là, c'est l'écriture comme moyen d'accéder à la vie. Mais peut-être les privilèges accordés à Rimbaud dans cette quête de ce que Novalis appelait le réel absolu, peut-être ces privilèges ont-ils contribué à cacher le chemin très singulier de Victor Ségalène. Mais aujourd'hui, alors que l'œuvre apparaît à peu près dans sa complète architecture, elle représente pour un nombre croissant d'esprits un des voyages intérieurs les plus bouleversants qui soient. C'est une œuvre qu'on peut regarder dans un sens comme mutilée. Ségalène est mort à 41 ans, d'une mort dont Pierre-Jean Jouve disait qu'elle était insolite et secrète comme lui. Et tout ce qui fut écrit pourrait être considéré d'une certaine manière comme les fondations d'un grand bâtiment encore à venir. Pour établir ces fondations à la fois de son existence et de son travail, tout homme est contraint de creuser en lui, autour de lui, qui sait, accédant comme le mineur qui est en proie au monde souterrain à un univers qui est à la fois le plus intime et le plus étranger. Et c'est ce mouvement de descente, ce trajet vers l'ailleurs,
que nous tenterons ici de partager. Nous y aidera beaucoup, Gilles Manseron, la correspondance entre Victor Segalen et votre grand-père, Henri Manseron, correspondance que vous venez de publier au Seuil, sous un titre emprunté d'ailleurs à une stèle chinoise, ces stèles chinoises que Segalen a tant étudiées, Trahison fidèle. Et c'est là un livre qui représente sans doute le meilleur prélude à la découverte de cette œuvre. Un grand essayiste aujourd'hui disparu, Gabriel Germain, écrivait en 1961 « Cet homme au nom celtique est un de ces navigateurs de l'épopée irlandaise qui revenait un soir au pays natal après des siècles d'absence, rapportant des fleurs inouïes cueillies dans la très calme terre, celle des fées. Comme eux, il a péri en touchant le sol, mais les fleurs, elles, ne sont pas tombées en poussière et conservent le reflet d'un autre soleil. Mais naviguer comme le faisaient ces anciens Celtes, c'est d'abord quitter sa terre de naissance. Et c'est aussi se délivrer de tout ce que l'existence a déposé en chaque âme neuve de scories, d'obscurité. Nous naissons nus, mais cette innocence première la voilà couverte rapidement dans l'enfance puis dans l'adolescence de vêtements divers, superflus, pesants. Et la soif adolescente, c'est le besoin de retrouver cette nudité. Alors, nous allons reprendre cette vie dans ses commencements, c'est-à-dire dans ses révélations et aussi dans ses enclosures. Perdre le midi quotidien. Traverser des cours, des arches, des ponts. Tenter les chemins bifurqués. M'essouffler aux marches, aux rampes, aux escalades. Éviter la stèle précise. Contourner les murs usuels. Trébucher ingénument parmi ces rochers factices. Sauter ce ravin. M'attarder en ce jardin, revenir parfois en arrière, et par un lacis irréversible égarer enfin le quadruple sens des points du ciel. Tout cela, amis, parents, familiers et femmes, tout cela pour tromper aussi vos chères poursuites, pour oublier quel coin de l'horizon carré vous recèle, quel sentier vous ramène. Quelle amitié vous guide, quelle bonté menace, quels transports vont éclater. Victor Segalen a certainement eu une enfance extrêmement austère, et dès l'enfance, il a dû trouver un certain nombre de refuges dans certains domaines, le domaine de la musique et le domaine de la nature. Gilles Manseron. Sinon, pour le reste, ses rapports avec sa famille ont été extrêmement douloureux, semble-t-il, d'après les quelques mots qu'il prononce à ce sujet plus tard, et toujours de manière très allusive. Et son rapport avec la société, par le biais de l'école, ont été extrêmement durs pour lui. Il a fréquenté à Brest un collège tenu par les jésuites, dans une période qui était une période extrêmement tendue, où les jésuites étaient quasiment clandestins et où cet enseignement était le refuge d'une religion extrêmement étroite et refermée sur elle-même. Dans cet établissement, le règlement prescrivait par exemple aux élèves qu'il leur était interdit d'aller au théâtre, il leur interdisait d'amener des livres non autorisés par la direction de l'établissement. Et cet environnement extrêmement répressif a dû constituer pour lui quelque chose de très pesant. Alors il y a ses parents, il y a sa mère,
Et dans l'essai sur soi-même, Gérard Massé, Victor Segalen fera allusion au regard qui est jeté sur lui par ses proches. Oui, c'est-à-dire que parmi les refuges dont parlait Gilles Manceron à l'instant, il y a bien entendu un recoin intérieur qui me paraît particulièrement important, et la rêverie, ou ce qu'il appellera plus tard même l'autoscopie. C'est à propos de René Leys qu'il dira « Ce qu'il m'a laissé voir de son enfance, flammes apparues, visions prémonitoires, en font un nerveux. » Il me semble qu'il y a là l'esquisse d'un aveu. Je dis l'esquisse parce que nous savons très peu de choses de l'enfance de Segalen par lui-même. C'est-à-dire qu'il a eu le besoin de transposer toujours, de retrouver, mais très lointainement, ailleurs, par un très grand détour, ce qu'il fut. Et il y a donc une sorte d'impossibilité de raconter comme au premier degré qui il fut jadis en Bretagne. Et à cet égard, l'essai sur soi-même auquel vous faisiez allusion me paraît singulièrement révélateur, même si c'est un texte de quelques pages, avorté aussitôt que commencé. Et les raisons de l'échec sont pleines de sens. Il y a un passage en particulier où il écrit ceci. « Ce fut le premier et étrange service que me rendit ma mère. Tu n'es pas comme les autres. Tu ne seras pas comme les autres. » fut le mot magique qui défendait, interdisait, promettait aussi des merveilles. C'est mon seul souvenir valable d'enfant. J'ai la plus grande défiance de tous les autres. Ils m'ont été trop bien redictés, renouvelés. Ils sont photographiquement semblables à des clichés de clichés, agrandis, retouchés, déformés, renforcés. Je ne puis saisir dans l'anecdote aucun goût direct, et les mots sont soulignés dans le manuscrit, sauf en de rares et mystérieuses apparitions au fond de la Chine. Et je crois bien que la plupart des mémoriaux d'enfants sont là. Tout au plus, un reflet dans du verre. J'étais assis près du foyer sur une chaise basse, le feu a fait une flambée qui a tout éclairé de rouge, la vitre d'une gravure en noir et gris d'un Saint-Joseph pour parloir de couvent pauvre. La vitre s'est empourprée d'un or rouge mystérieux qui m'a fait voir des couchants plus glorieux que la gloire du soleil sur la mer violette. Je suis certain du fait. Je n'en ai jamais parlé à personne. Personne n'a donc pu me déformer ce fait. » Et il me semble qu'il y a là une double réticence dans cette page. C'est-à-dire que Segalen se défie, il le dit explicitement, de pratiquement tous ses souvenirs d'enfance. Et pourquoi ? C'est qu'ils ont été redits. Ils sont tous de seconde main. Ils sont donc déformés. Et il y a là quelque chose qui me paraît très très proche de son attitude de voyageur. C'est-à-dire que lorsqu'il va en Polynésie, qu'il étudie la civilisation maori, il a toujours le souci de tenir compte de ce que l'observateur vient troubler dans le milieu qu'il observe. C'est-à-dire qu'au fond, il a perpétuellement à l'esprit qu'il ne sait pas ce que sont les Maoris quand il n'y est pas. De même, et cette fois non plus dans l'espace mais dans le temps, il ne peut pas savoir ce qu'était son enfance puisqu'il n'y est plus. N'est-ce pas ? Comment saisir là où on n'est plus ? Là où on a disparu. D'abord, il prit grand soin de recueillir toutes les paroles sorties des bouches d'autrefois, certain d'avance que par cela même qu'elles étaient dernières et irrépétables, elle tenait un prix singulier. Il vint ainsi par de longs soirs, de maison en maison, supplier qu'on s'en souvint encore et qu'on les lui confiât. Mais on se moqua de sa curiosité et qu'il voulut attacher quelque prix à des récits de mangeurs d'hommes. Or, c'étaient les fils mêmes qui disaient cela, oublieux que dans la chair de leurs ancêtres, ils avaient communié au festin rituel et qu'ils en gardaient en eux des parcelles transmises. Il ne put rien obtenir. Devançant la mort de la race, les paroles étaient mortes, déjà. Il renonça à faire œuvre de conteur et voulut au moins fixer les formes et la beauté figurale de ces beaux efforts agonisants, mourant en pleine robustesse d'allure.
mais ses formes, surtout femelles, se cachaient obstinément, par pudeur apprise et décence importée, aux yeux de tous les étrangers. L'allure même avait perdu de sa magnificence en se pliant aux tournures étrangères. Enfin, il tenta d'écouter les chants et de recueillir le dernier écho des voix vraiment indigènes, vraiment sauvages ou guerrières, voix mortes aussi, car il n'obtint que des cantiques. Une dernière fois, il retombait donc lourdement sur lui-même, déçu par ceux dont il avait tant espéré. Pour la première fois depuis son arrivée dans ces îles si ironiquement heureuses, il repassa dans un de ces raccourcis violents et secrets dont sa puissance dramatisait et rendait héroïque comme un chant d'épopée tous les moments vécus, subis et vaincus aussi, accumulés depuis son départ d'Europe. Sa fuite hors du troupeau, son essor, son espoir. Cette première déception dans la ville tahitienne, cela, c'était prévisible, c'était peu. Sa fuite encore et, plus douloureuse d'avoir été plus trompée, sa joie dernière qu'il avait si bien cru tenir et qui ne le menait qu'à une fin de mélodrame hypocrite, à une décrépitude de race résignée, stupide maintenant, lui semblait-il, et qu'il regardait soudain sans pitié, dans un grand mépris, dans l'attente obscure d'il ne savait quel cataclysme ou quelle apothéose. L'apothéose manquait. Il se prit à injurier les sommets tourmentés et sa montagne familière, épaulée jadis jusqu'aux nues par des laves insurgées contre la mer. Il souhaita que les cônes et les pics, pulvérisés soudain, se missent à rugir en soufflant de la fumée qui dessécherait, des flammes qui mordraient, de la belle lave en pâte rouge qui moulerait dans des attitudes convulsées, peut-être héroïques, peut-être belles enfin, cette race qui s'en allait trop paisiblement. Alors, vers 18 ou 19 ans, il décide de se consacrer à la médecine, et plus particulièrement à la médecine navale. Et quelle est la source de cette décision ? Eh bien, il aurait aimé être officier de marine, puisque c'était un moyen pour lui d'atteindre des ailleurs, ailleurs géographiques bien sûr, d'abord, et puis aussi d'autres ailleurs, certainement. Donc il aurait aimé être officier de marine, et puis des raisons extrêmement prosaïques l'ont empêché de faire l'école navale, puisque il était myope, il portait des lunettes, et à cette époque, eh bien, c'était l'une des choses qui entravait complètement toute possibilité. Et la seule carrière qui lui était offerte dans cette direction, c'était la carrière de médecin de marine. Alors il a fait des études de santé navale, comme on disait à l'époque, d'abord à Rennes, puis à Bordeaux. Étudiant à Bordeaux, il y a eu certainement pour lui une étape très importante dans sa vie, qui a été son premier amour avec une jeune fille qui était la sœur d'un de ses camarades d'études, avec qui il a eu une longue liaison, dont il parle aussi de manière extrêmement allusive dans certaines lettres à des amis, et qui a certainement joué un rôle très important dans sa vie. Cette liaison a été finalement interrompue, semble-t-il, sous l'initiative de sa mère, qui ne l'approuvait pas, et elle a donné lieu, cette liaison, à un choc, certainement, dans la personnalité de Victor Segalen. Et on sait quelque chose de cette jeune fille ? On sait très peu de choses. Il en parle, y compris dans des lettres à ses parents, en annonçant sa joie, en quelque sorte, de découvrir quelque chose. Il ne comprend pas très bien la réponse de sa mère, qui est très réticente. Puis ensuite, visiblement, il n'en parle plus, et on comprend à travers certaines lettres ou certains passages de lettres que l'intervention de sa mère a été décisive dans la rupture qu'il avoue avoir été obligé de faire. Il avait une vingtaine d'années à ce moment-là. Il avait une vingtaine d'années, c'est ça, oui. 22 ans même. Alors, dans cette école de Rennes d'abord, à Bordeaux ensuite, sans doute les étudiants en médecine, ceux qui se consacraient à l'étude des maladies tropicales, s'intéressent aussi à ce que peut être ce monde exotique. Il y a, par un certain nombre de livres qui circulent, une relation particulière à ce moment-là de l'Europe avec les mondes extérieurs, en particulier avec l'Asie.
Est-ce que nous pouvons essayer de voir un peu ce que serait le territoire qui peut nourrir l'imaginaire d'un jeune homme de ce temps, quand il s'agit de l'Orient? Eh bien, il a lu dès Bordeaux un certain nombre de choses sur la civilisation polynésienne qui l'a beaucoup intéressé. Il a constitué toute une documentation de caractère ethnographique sur cette civilisation maori qu'il a connue ensuite en 1902-1903 lors de sa première affectation. Et puis aussi, il a eu connaissance de Gauguin par l'un de ses amis, Georges Daniel de Montfred, peintre lui-même et qui correspondait avec Gauguin. Et il s'est intéressé à cette œuvre, à ce peintre qui était parti comme ça vivre en Polynésie. Et ça a certainement été une chose qui a compté pour lui vers l'âge de 24-25 ans, quand il a commencé à s'intéresser donc à cette civilisation du Pacifique où il allait se rendre. Alors c'est en 1902 qu'il va être affecté sur l'aviso Durance. Il part en octobre 1902 pour New York, rejoint San Francisco et enfin Tahiti en janvier 1903. Et il semble avoir traversé cette civilisation américaine très brièvement, sans y avoir prêté attention. Oui, il n'en parle pratiquement pas. Les seules choses qui semblent l'avoir touché, c'est sa rencontre à San Francisco avec la ville chinoise, avec les quartiers chinois. Il y a, dans des lettres, dans des notes aussi de son journal, des descriptions extrêmement intéressées de sa part, des fêtes, des théâtres chinois, des échoppes. Justement, enfin, il a été frappé par cette poche chinoise parce qu'elle était à côté de quelque chose d'autre et de très différent. C'est-à-dire que c'est pas tant l'analogie qui intéresse Segalen, toujours que la différence. Et là, il l'éprouve pour la première fois de façon extrêmement sensible. Et puis alors, il y a un autre phénomène enfin, qui me semble rendre compte un peu du fait que Segalen ne peut pas être vraiment attiré par les États-Unis, c'est que c'est un monde nouveau. Or, ce qui intéresse profondément Segalen, c'est le crépuscule. Enfin, c'est ce qui est en train de basculer. C'est le soleil qui devient vert ou violet juste avant de plonger dans l'obscurité. Et il arrive en Polynésie au moment où la civilisation maoriste meurt. Il arrive à Aden sur les traces de Rimbaud au moment où il n'y est plus, mais où il y a encore des survivants. C'est-à-dire qu'il peut recueillir des témoignages de première main. Et il arrive en Chine au moment où tout cet empire bascule dans un autre système, au moment où des traditions se transforment. Et il me semble que là, temporellement, enfin, dans cet effet de bascule, justement, il peut saisir d'autant mieux la vérité d'un phénomène. Absolument. Il y a, dit Segalen, une grande cassure dans sa vie et deux étapes. Il y a un texte de l'essai sur soi-même de 1909 où Segalen écrit: j'ai eu cette grande cassure dans ma vie, cette sorte de faille que l'on trouve dans les terrains bouleversés et qui fait que des sols homogènes, des filons de même nature, ne se relieront plus jamais parce qu'ils sont à des niveaux différents et sans pont, sans lien, sans passage. Cette cassure entre son enfance et ce qu'il est devenu, Segalen la transpose et la ressent dans la cassure entre le passé et le présent d'un certain nombre de civilisations. Et cette île de Tahiti vers laquelle il vogue en 1902, elle l'intéresse aussi parce qu'elle est comme isolée par l'océan qui l'entoure. Et effectivement, cet intérêt pour l'insularité réapparaîtra dans son œuvre, dans Le Fils du Ciel, qui est son œuvre ultérieure de la période chinoise. On voit aussi l'empereur retiré dans une île qu'aucun pont ne relie à la terre ferme, et j'y vois comme la réminiscence du thème de l'insularité qui l'avait déjà intéressé auparavant. Oui, Gilles Manceron parlait de failles, enfin, ça me semble particulièrement juste. C'est au point que géologiquement, car il y a une passion de cette sorte aussi chez Segalen, géologiquement il les repère, ces failles, et en particulier dans la terre chinoise. Et
Il y a donc une façon chez Ségalène de lire la terre comme un paysage mental, enfin de trouver une correspondance entre la réalité géologique de l'espace et en même temps l'empreinte ou les cassures, les cicatrices qui se trouvent en lui-même. On ne peut disconvenir que Peking ne soit un chef-d'œuvre de réalisation mystérieuse. Et d'abord, le plan triple de ces villes n'obéit pas aux lois des foules cadastrées ni aux besoins locataires des gens qui mangent et qui peuplent. La capitale du plus grand empire sous le ciel a donc été voulue pour elle-même, dessinée comme un échiquier tout au nord de la plaine jaune, entourée d'enceintes géométriques, tramées d'avenues, quadrillées de ruelles à angle droit, et puis levée d'un seul jet monumental. Habitée, ensuite, et enfin débordée dans ses faubourgs interlopes par ses parasites, les sujets chinois. Mais le carré principal, la ville tartare mandchoue, fait toujours un bon abri aux conquérants et à ce rêve. Au milieu, dans le profond du milieu du palais, un visage. Un enfant homme. Et empereur, maître du sol et fils du ciel, que tout le monde et les journalistes s'entêtent à nommer Kuang Xiu, qui est la marque du temps où il régna, c'est-à-dire après Jésus-Christ, de 1875 à 1908. Il vécut vraiment sous son nom de vivant, mais indicible. Lui. Et ne pouvant dire le nom, je donne au pronom européen tout l'accent incliné du geste mandchou, les deux manches levées par les poings réunis jusqu'au front baissé, qui le désigne. Lui demeure la figure et le symbole incarné du plus pathétique et du plus mortel des vivants. On lui réserve des actes impossibles, et c'est possible qu'il les ait bonnement commis. Je suis sûr qu'il est mort comme personne ne meurt plus, de 10 maladies toutes naturelles, mais avant tout de cette 11e, méconnue, qu'il fut empereur. C'est-à-dire la victime désignée depuis 4000 ans comme holocauste médiateur entre le ciel et le peuple sur la terre. Et le lieu de son sacrifice, l'enclos où l'on avait muré sa personne, cette ville violette interdite, dont les remparts m'arrêtent maintenant, devenait le seul espace possible à ce drame, à cette histoire, à ce livre qui, sans lui, n'a plus aucune raison d'être. Alors, le séjour en Polynésie, qui commence en 1903, qui va se prolonger pendant 2 ans, il donnera naissance ensuite à ce livre totalement magique que sont les Immémoriaux. Et il y a quelque chose qui est extraordinairement frappant quand on découvre les Immémoriaux, c'est que on se demande comment une sensibilité, un regard, une oreille ont pu s'ouvrir avec tant d'innocence à un monde jusque-là inconnu. Pour moi, Les Immémoriaux, c'est un livre, c'est le livre d'une libération. Et il se présente, Les Immémoriaux, comme un ouvrage ethnographique. Ils le sont aussi, puisque Ségalène a recueilli de vive voix un certain nombre de récits et les a consignés dans son livre. Mais ce n'est pas essentiellement pour lui un ouvrage ethnographique. Il parle de lui-même. Il y a une lettre à Henri Manseron où il a cette formule. Quand il parle des Immémoriaux, il dit « les Immémoriaux, objectifs, où se disant-elles » C'est-à-dire que
cette formule donne un petit peu la clé de cet ouvrage. Les immémoriaux ne sont pas un ouvrage objectif, ne sont pas un ouvrage scientifique. Il parle de lui-même. Ségalène a ensuite élaboré un autre projet qui prolongeait en quelque sorte l'entreprise des immémoriaux avec son projet, donc le maître du jouir. Le maître du jouir n'a pas été tellement avancé. Il commençait ce projet par le mot « je » et finalement, on a l'impression qu'il avait déjà tellement dit sur lui-même dans les immémoriaux qu'il n'y avait pas matière à mener à bien ce nouveau projet où cette fois-ci, il parlait à la première personne. Les immémoriaux disaient déjà tellement de choses de lui-même, de sa propre libération, de sa propre découverte de la sensualité par l'intermédiaire et par la médiation de la civilisation polynésienne, qu'il n'avait plus guère de choses à dire en parlant à la première personne. Il y a là, en mouvement, un esprit qui est comme délivré de tout ce qui l'obstruait, de tout ce qui l'enlisait jusque-là, de manière à ce qu'il puisse s'ouvrir comme si c'était sa première expérience humaine. Parce que sans doute toutes les entraves qui étaient les siennes et qui l'empêchaient d'être complètement lui-même, il observe que dans la civilisation maori, elles n'existent pas. Que ce soit la contrainte religieuse, l'interdit dont est frappé le corps, et de ce point de vue, il me semble que, je le redis après Ségalène lui-même, l'expérience polynésienne a été une initiation amoureuse et une espèce d'immense bonheur sensuel. Et c'est d'ailleurs très frappant qu'ils le disent de la façon la plus explicite et la plus heureuse qui soit, du fond de la Chine. Victor Ségalène à Henri Manseron, Tientsin, 23 septembre 1911. Je t'ai dit avoir été heureux sous les tropiques. C'est violemment vrai. Pendant 2 ans en Polynésie, j'ai mal dormi de joie. J'ai eu des réveils à pleurer d'ivresse du jour qui montait. Les dieux du jouir savent seuls combien ce réveil est annonciateur du jour et révélateur du bonheur continu que ne dose pas le jour. J'ai senti de l'allégresse couler dans mes muscles. J'ai pensé avec jouissance. J'ai découvert Nietzsche. Je tenais mon œuvre. J'étais libre, convalescent, frais et sensuellement assez bien entraîné. J'avais de petits départs, de petits déchirements, de grandes retrouvées fondantes. Toute l'île venait à moi comme une femme. Et j'avais précisément de la femme, là-bas, des dons que les pays complets ne donnent plus. Outre la classique épouse maori, dont la peau est douce et fraîche, les cheveux lisses, la bouche musclée, j'ai connu des caresses et des rendez-vous et des libertés qui ne demandaient pas autre chose que la voix, les yeux, la bouche et de jolis mots d'enfant. Il est grand temps que je le réaffirme avant la maturité. La jeune fille, la vierge, est pour moi la véritable amoureuse, et si peu complice, ou bien si habilement et exquisement hypocrite. À 33 ans, cela peut encore se dire, surtout après 20 ans de goûts ininterrompus. Si dans 20 ans, je le déclare encore, mes amis au moins, sauront que ceci ne dénonce pas de la sénilité, mais ma plus franche attitude amoureuse. Ceci encore, mon essai sur l'exotisme le dira. La jeune fille est distante de nous à l'extrême, donc précieuse incomparablement à tous les fervents du divers. À Tahiti donc, j'ai, sans geste précis, connu des heures nocturnes radieusement belles. Les parfums s'y mêlaient sans doute, mais je sais fermement pourquoi j'y fus heureux. Il parle d'un amant, comme tu parles d'un feu. Il regarde la mer, comme tu regardes. Les femmes sont lassies au soleil radoté, et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été.
aux marquises. Vous avez fait allusion à ce qu'on pourrait nommer le tracé anthropologique, ethnographique des immémoriaux. Mais c'est là peut-être qu'apparaît, dans sa pleine lumière, le miracle de l'écriture, le miracle de la littérature qui va faire de Ségalène un écrivain. C'est que, au contact des îles, au contact aussi des paysages, comme des hommes qui habitent ces terres, vont surgir chez Ségalène une quantité d'images, une quantité de phares, de lumière qui vont nourrir son écriture. Et on dirait que ces images, elles étaient enfouies dans le plus profond de cet homme jeune et qu'elles vont, grâce à ce contact avec la terre polynésienne, sortir de l'ombre. Et je fais ici appel à votre propre expérience de poète, d'écrivain, pour essayer de voir comment ces images ont pu naître, ainsi émerger plutôt, pour s'inscrire dans un texte. On peut faire au moins appel à son expérience de lecteur et une expérience toute récente. Je veux dire que je suis plongé dans la recherche du temps perdu et c'est peut-être pas si loin de l'expérience de Ségalène dans l'espace. Et je me souviens que juste avant le fameux passage de la Madeleine trempée dans la tasse de thé, qui fait que comme une fleur japonaise, tout combrait, réapparaît dans la conscience du narrateur et se déploie soudain. Juste avant cela, alors que la tasse de thé elle-même est nommée breuvage magique, il est question, sous la plume de Marcel Proust, justement d'une croyance celte. Et cette croyance étant que tout ce qui est endormi, mort ou enfoui peut loger dans des objets, et qu'il suffit que quelqu'un passe avec une sensibilité particulière et vienne réveiller ce qui est la vérité de soi-même. Mais la vérité de soi-même qui peut être dans une pierre ou dans un arbre. Et il me semble qu'il y a là quelque chose de très proche de l'expérience de Ségalène. C'est-à-dire que, bien entendu, on peut tout à coup trouver l'expérience fondamentale qui ne prévient pas, et elle est d'autant plus riche qu'elle n'était annoncée par rien, ou rien de lisible. Mais Proust ajoute que certains êtres passeront toujours à côté, ne s'apercevront pas qu'il y avait là la révélation qui les attendait. C'est-à-dire qu'il y faut une sensibilité en éveil et une sensibilité peut-être particulière qui est une forme de don. Naturellement, inutile de dire que Proust l'avait et avait conscience de l'avoir, ce don. Et Ségalène, à l'évidence aussi. Simplement, au lieu que ce soit dans un détail, Proust lui-même se nommait fouilleur de détails, chez Ségalène, ce sera plutôt à l'échelle d'une civilisation entière ou dans d'immenses espaces, dans un ailleurs très très éloigné, qu'il vivra cette expérience fondamentale. Et en effet, la Polynésie sert de déclic ou de grand révélateur. Et pour Ségalène, la découverte de l'univers pictural de Gauguin à Tahiti a été aussi quelque chose d'essentiel. Cet univers pictural, ces couleurs de Gauguin, lui ont servi un petit peu de médiateur pour voir les paysages, voir les Polynésiens et les Polynésiennes et les femmes polynésiennes, puisque quand on pense à la rencontre de Ségalène avec la civilisation maori, il s'agit essentiellement d'une rencontre avec la femme maori. Ce qui est sûr, c'est que chez la femme, Ségalène découvre ce qui est radicalement autre. Or, il y a une autre étrangeté qui ne me paraît pas éloignée de celle-ci chez Ségalène, c'est l'étrangeté des langues. Ce que j'ai trouvé pour ma part chez Ségalène, c'est de façon extrêmement vive le sentiment qu'être né dans une langue est purement arbitraire et qu'il faut aller pour retrouver, n'est-ce pas, cette saveur première qu'on a pu éprouver dans sa propre langue, il faut la mesurer à une altérité, à d'autres signes, et surtout à l'illisible, à ce qui n'est pas clairement déchiffrable, à ce qui n'est pas donné d'un coup. C'est-à-dire qu'il faut affronter l'essence même du langage.
trahison fidèle. Tu as écrit « Me voici, fidèle à l'écho de ta voix, taciturne, inexprimée. Je sais ton âme tendue juste au gré des soies chantantes de mon luth. C'est pour toi seul que je joue. Écoute en abandon et le son et l'ombre du son dans la conque de la mer où tout plonge. Ne dis pas qu'il se pourrait qu'un jour tu entendisses moins délicatement. Ne le dis pas, car j'affirme alors, détourné de toi, chercher ailleurs qu'en toi-même le répond révélé par toi. Et j'irai, criant aux quatre espaces, tu m'as entendu, tu m'as connu. Je ne puis pas vivre dans le silence, même auprès de cet autre que voici, c'est encore... C'est pour toi seul que je joue. Alors après ce séjour en Polynésie, Victor Segalen va revenir en France. Et c'est là qu'il va reprendre contact avec un homme qui avait été son ami d'enfance, Henri Manseron. Et il y aura dans les années qui suivent une longue correspondance entre ces deux hommes, correspondance que vous venez, vous, Gilles Manseron, de publier au Seuil. Et cette correspondance va, alors que dans le collège, au fond, ils s'étaient côtoyés sans trop se connaître, va au contraire constituer pour l'un et pour l'autre un élément très important de l'existence, comme s'ils étaient l'un et l'autre des reflets de leur propre individualité. Oui, ils se retrouvent donc à Brest en 1907, après leur premier voyage, à l'un et à l'autre. Henri Manseron était devenu entre-temps officier de marine et il avait effectué de nombreux voyages dans la Méditerranée et puis aussi en Asie, en Extrême-Orient, au Japon et en Chine, où il s'était rendu à deux reprises. Donc il se retrouve en 1907 et à ce moment commence ce qu'ils ont appelé, ce que Segalen a appelé leur amitié d'adulte. Il a parlé de leur amitié d'enfance et de maturité aussi. Une amitié qui va durer jusqu'à la mort de Segalen et qui va être nourrie par une correspondance. C'est une amitié par correspondance en quelque sorte. Pendant 12 ans, ces deux hommes vont s'écrire. Ils se trouvent en fait constamment séparés par leur voyage, puisque l'un est médecin de marine, séjourne en Chine pendant 4 ans environ, et puis l'autre, officier de marine, sillonne les mers de son côté. Donc ils se trouvent constamment séparés, et leur rencontre physique, en quelque sorte, se trouve comme des parenthèses dans une relation qui est essentiellement épistolaire. Alors, dans ce séjour à Brest, puis ensuite à Paris, Segalen va pressentir la Chine avant de la connaître. Oui, et les récits d'Henri Manseron à Victor Segalen au début de 1908 vont jouer certainement un rôle essentiel dans son choix de la Chine, dans son orientation chinoise. Segalen le dit dans plusieurs passages de ses lettres à Henri Manseron par la suite. Ça a joué un rôle essentiel. Il parle de la première suggestion de la Chine qui a été faite par Henri Manseron. Oui, est-ce que ça n'est pas tout particulièrement la cité violette interdite, l'histoire de Guangxiu, c'est-à-dire un monde, une histoire, un personnage dans lequel tout à coup Segalen pouvait projeter son univers imaginaire? Très certainement. Henri Manseron avait donc été en 1900-1901 dans l'expédition envoyé par les puissances européennes contre la révolte des Boxers à Pékin, et il avait été parmi les seuls occidentaux à pénétrer dans la cité interdite au moment où, juste après la fuite de la cour impériale, les étrangers pouvaient y rentrer. Ça a duré quelques mois seulement, et Henri Manseron en a fait le récit ensuite, il a publié des articles à ce sujet, et il en a parlé à Victor Segalen en 1908. Et cette image de la cité interdite, de cette chambre de l'empereur Guangxiu, ces récits sur la personnalité de cet empereur, à la fois
fils du ciel et en même temps extrêmement vulnérable dans sa personne même, ont certainement très vivement intéressé Ségalène. Je me demande d'ailleurs si les récits d'Henri Manseron à propos de Kwang Siu, avant même que Ségalène ne parte en Chine, n'explique pas dans une large mesure cette espèce d'exclamation de joie qu'a Ségalène en arrivant et dont il fait part à sa femme dans une lettre où il dit qu'il a la chance de tenir son livre immédiatement, dès qu'il arrive. Et ce livre, ce sont les Annales Kwang Siu, puisque c'est le titre qu'il donne à ce qu'il deviendra plus tard, le Fils du Ciel, ou plutôt à ce qu'il ne deviendra pas, car le manuscrit est en partie inachevé. Ségalène, en tout cas, ne l'a pas revu lui-même, ne l'a pas totalement mené à bien. C'est que peut-être, enfin, il semble qu'on peut penser que ce projet, au fond, il l'avait presque avant même d'arriver. Oui. Et c'est pourquoi, au fond, il ne l'a pas mené à bien, parce qu'il a été happé ensuite par ce qu'il n'avait pas prévu. Spectacle inoublié. La troisième Madame Wang s'avance sur ses hautes semelles blanches, épaisses de 3 pouces, et balance un corps fluet et long surmonté d'un visage que j'ai bien vu du premier coup et que je mets en vedette dans mon portrait. C'est une lune ovalaire fardée de blanc, découpée de longs yeux bridés comme il s'impose, tamponnée aux 2 pommettes d'admirables disques d'un rouge carminé du dernier fatal. Les cheveux, lissés et collés, ont le noir bien connu de l'aile de corbeau, qui est bleu. Ils se relèvent en arrière, se plaquent sur la large broche d'argent. Enfin, le cou possède évidemment ce poli gras du suif épuré et figé. Livre des vers, ode 10 000e. Au fait, je suis 10 000 fois ridicule de me moquer ainsi. Ce visage raclé à fond laisserait voir un agréable champ de peau claire et sous la robe droite manchoue, les épaules et les reins se meuvent d'un élancé adolescent. Et vraiment, ceci me distrait des formes grasses et de la petitesse de dû que revêt un peu trop la beauté chinoise du Nord. Mon boy sert de mauvaise grâce. Lui seul et moi sentons l'indécence pour cette honnête femme à se trouver près de son mari assise à la même table, même européenne. Mais la lampe baisse, les couleurs trop vives reculent, la coiffure largement équarrie se perd dans les ombres, il ne reste que des yeux presque débridés, un nez existant, presque modelé, et surtout ses épaules minces sous la soie souple et mince de la robe. Vraiment, l'on conçoit ici toute la féminité de la longue et impudique robe, à voir la femelle chinoise se pantalonner de 2 fourreaux chastement ficelés à la cheville, serrés à la taille et inexpugnables à tous les désirs qu'elle a par avance éteints. Madame Wang, si mon vocabulaire à peine éclos comportait plus de mots poétiques et floraux que votre vieil époux ne m'en a appris encore, soyez certaine de mon premier soin à les essayer à son insu, à vos pieds. Mais il y a quelque chose qui est un peu obscur dans ce trajet, c'est que Ségalène avait trouvé en Polynésie ce qu'on pourrait nommer le paradis, enfin une terre qui lui avait donné bien au-delà de ce qu'il espérait d'elle et qu'il avait dans un certain sens révélé à lui-même. Et maintenant, il se tourne vers la Chine comme au seuil d'un second paradis. Là, on ne peut que répéter un peu ce qu'il dit lui-même. J'ai l'impression qu'il a eu cette sorte de révélation très extraordinaire, comme on l'a dit en Polynésie, d'un bonheur possible, mais en même temps de n'y être pas tout à fait prêt. C'est-à-dire comme si cette expérience de la Polynésie était venue un peu tôt pour lui. C'est-à-dire que son état intérieur n'était pas en parfaite correspondance avec ce qu'il observait, ce qu'il pouvait constater de la civilisation maori. Et il y a une lettre de lui où il dit qu'il voudrait y retourner, mais en en étant digne. Mais alors c'est toujours l'extraordinaire débat qui est le nôtre autant que le sien, qui est comment reconnaître d'une part, enfin, l'état de bonheur, et à partir du moment même où on le reconnaît, peut-on y séjourner ?
Bien entendu, la réponse est négative. Et Ségalène, là, est une illustration de ce phénomène très extraordinaire. Et ensuite, il sera alors en Chine, dans une sorte de débat, de combat très productif, extrêmement fécond. S'il était resté en Polynésie, qu'aurait-il pu écrire d'autre que les immémoriaux ? Sans doute rien. C'est parce qu'il est dans une demi-frustration en Chine, et avec toujours le projet de deux retours, et tous les deux ont échoué, il y a un double retour chez Ségalène qui est rêvé, c'est-à-dire le retour en Polynésie et le retour en Bretagne. C'est parce qu'il est dans cette situation de tension et cette situation transitoire, enfin, la Chine est une sorte de, en effet, de révélateur, mais aussi d'entre-deux, de phase un peu négative, comme cela, pour une autre naissance. C'est pour cela qu'il peut, à mon avis, tant écrire en Chine. Et cette espèce de combat intérieur à propos de la Chine, il y a une lettre à Henri Manseron, enfin, qui en parle très bien. D'abord, dans une sorte de condamnation du peuple chinois, mais qu'il faudra rectifier un peu plus tard. « Le caractère chinois, dit-il, ne m'est pas sympathique. » Il me semble qu'il faut entendre là « sympathique » au sens vrai du terme. « Ou, du moins, ce que j'en vois autour de moi. Je n'éprouve pour lui ni admiration, même défiante, ni sentiment de grandeur ou de force. Toutes ces manifestations autour de moi sont frappées d'infantilisme ou de sénilité. Ils pleurent comme des petites filles, se battent comme des roquets, grimacent comme des clowns et sont irrémissiblement un peuple de lait. » Je m'arrête sur cette expression, d'ailleurs, parce que, curieusement, c'est la même expression, mot pour mot, qu'emploiera Henri Michaud dans Un barbare en Asie, mais à propos des Japonais. Ségalène, alors, quant à lui, ajoute « J'accepte l'aristocratie que je n'ai fait qu'entrevoir ». Ce qui me paraît beaucoup plus important encore que ce paragraphe, c'est la suite, et qui témoigne de cette lutte intérieure. « Ne croyez pas dans tout cela à la moindre des illusions. Je devrais faire 10 fois plus d'efforts pour venir en Chine que je recommencerai. » Et il l'a prouvé par la suite. Il est impossible de porter un jugement humain un peu général, et voilà une des préoccupations fondamentales de Ségalène qui revient, si on n'a pas égard à cette immense orange pendue à l'autre bout de l'Asie. Et juste après encore, un autre passage qui continue d'être passionnant, et où les tropiques vont arriver dans une parenthèse, ce qui me semble particulièrement significatif, c'est un passage où Ségalène va parler non plus du peuple chinois, mais de la terre chinoise. Et d'abord, le pays est fort beau, beau, encore d'une sorte qui ne m'est pas sympathique, car mes préférences vont au tropique, mais d'une splendeur céréale incomparable. Dès son arrivée en Chine, et ce passage que Gérard Massé vient de lire est intéressant de ce point de vue-là, on a l'impression que c'est son rêve qui l'intéresse plus que la réalité. Non, je dirais moi que c'est la lutte entre les deux. C'est tout le sujet d'Équipé, précisément. C'est ce qu'il va reprendre tout au long d'Équipé. C'est que devient l'imaginaire à l'épreuve du réel. Et c'est parce qu'il y a ce décalage en Chine, qu'il éprouve ce décalage, qu'il peut écrire. Qu'il peut affronter là ce qui est, je crois, le problème majeur de ces galères. C'est la confrontation de son rêve à la réalité. Oui, c'est le tigre et le dragon qui se disputent la pièce de monnaie à la fin d'Équipé, vit dans son centre. Absolument, il a besoin de vivre son rêve de la Chine en Chine même. Il ne se contente pas de le vivre ailleurs. Il a besoin aussi de la confrontation de cette image de la Chine, de ce rêve de la Chine avec la réalité de la Chine. C'est ce qui vous est arrivé aussi, Gilles Manseron, parce que je crois que vous êtes allé une dizaine de fois en Chine, mais vous aviez beaucoup rêvé de la Chine avant d'y parvenir. Oui, j'avais aussi rêvé de la Chine. À travers ce grand-père. Oui, Max Jacob a eu cette formule, on ne chante bien que sur les branches de son arbre généalogique. Et il est possible qu'effectivement, pour moi, cet été, ce travail autour de cette correspondance Victor Ségalène-Henri Manseron, une recherche de racines, une recherche de soi-même en même temps. Mais perçant la porte en forme de cercle parfait, débouchant ailleurs,
au beau milieu du lac en forme de cercle parfait, cet abri fermé, circulaire, au beau milieu du lac et de tout. Tout confondre, de l'Orient d'amour à l'Occident héroïque, du midi face au prince, au nord trop amical, pour atteindre l'autre, le cinquième, centre et milieu qui est moi. Et puisque vous avez évoqué tout à l'heure le Fils du Ciel, je crois que il faut en venir à un des thèmes essentiels de l'œuvre de Ségalène, qui est cette recherche de soi qui ouvre à la découverte de l'autre. J'ai pensé qu'ils étaient plutôt vers la route. Allons vers la route, là où il y a le pont. Nous nous sommes trouvés doucement face à face, l'autre, comme s'il me barrait silencieusement le chemin prolongé en dehors de moi, malgré moi. Je l'ai reconnu tout de suite, plus jeune que moi, de 15 ans. Il en portait 16 ou 20, plus maigre et plus blond. Il s'habillait naïvement d'un vêtement européen, d'un beige effacé par l'usure, le soleil ou la mode d'autrefois, et qui d'ailleurs lui seyait bien. Il avait peut-être un peu d'aigre dans le maintien, mais je trouvais une grande affection pour la jeunesse blonde qu'il ramenait de si loin et du profond du temps. Le moindre reflet noisette dans ses yeux était un rayon frémissant, jeune et jaune. Cependant, l'étonnement de le rencontrer là m'est venu, tardif, avec ses paroles. « Comment ? C'est toi qui existes encore ? Toi, ici ?» Le paysage éteint presque par la nuit, le formidable déboulis de roches et de torrents, et les falaises torturées dans l'ombre par des filons qui les étreignaient comme des nœuds, la sève dans le tronc se montrait à travers lui, l'absorbait. L'autre devenait fumée avant de m'avoir répondu. Cependant, avant qu'il ne disparaisse en entier, j'avais eu le temps non mesurable, mieux, j'avais eu le moment d'en recueillir toute la présence et surtout de le reconnaître. L'autre était moi, de 16 à 20 ans. Oui, ça me paraît, enfin, ce passage me paraît, enfin, depuis toujours, enfin, depuis que je l'ai lu, au fond, absolument fondamental. C'est-à-dire que, il y a chez Ségalène vraiment une expérience qui, à certains moments, est proche du fantastique, enfin, une expérience du double ou du sosie. Le thème du sosie apparaît d'ailleurs à plusieurs reprises. Il apparaît dans un chapitre d'Équipée, il apparaît aussi dans Le Fils du Ciel. Bien sûr. En plus de laisser sur soi-même. Bien sûr, à travers le tenant-lieu, c'est-à-dire le personnage qui accomplit certains rites à la place de l'empereur, enfin sa place physique. Et puis il apparaît, enfin, surtout, tout au long de René Leys, ce chef-d'œuvre à demi voulu par Ségalène. Et d'ailleurs, René Leys, enfin, d'une certaine façon, peut nous ramener à cette correspondance Victor Ségalène-Henri Manseron, c'est toujours une façon de s'informer de la Chine à travers quelqu'un d'autre, et de même que Henri Manseron lui a soufflé l'univers chinois ou lui a suggéré tout ce pan de sa propre aventure, c'est à travers René Leys que Ségalène pénètre par personne interposée dans la cité violette interdite et qu'il a de maigres renseignements sur l'empereur Guangxiu. Il y a donc là, enfin, quelque chose qui me semble faire écho à cette expérience amicale. Et puis, il y a quelque chose d'autre, c'est que René Leys est très imaginatif, enfin très jusqu'à l'hallucination presque, mais il est peut-être une création de Ségalène. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la correspondance Victor Ségalène-Henri Manseron, on voit Henri Manseron devenir une sorte de, non pas de double de Ségalène, car ils sont différents et le savent eux-mêmes, mais tout de même, on voit Henri Manseron être ébloui par le devenir de la personnalité de son ami, et s'effacer un peu lui-même petit à petit. Et d'ailleurs, à la fin de la correspondance, c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans ce livre, car il y a là un récit très humain, il y a un
peu une tragédie, enfin, de la part d'Henri Manseron. Et on voit chez ces deux êtres qui ont un peu la même histoire au départ, qui sont passés par les mêmes expériences et les mêmes entraves, on voit l'un, au fond, les surmonter et s'en libérer, et l'autre être frappé petit à petit, il dit, de paralysie intellectuelle, d'impossibilité de prendre la plume, enfin, d'accomplir une œuvre de l'esprit. Il y a toujours là quelque chose de troublant, de mystérieux et de pathétique, enfin, dans la connaissance humaine. Chaque fois qu'on voit, justement, dans ces dialogues d'écrivains tellement extraordinaires, quand les deux sont d'immense qualité, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que l'un accomplit une œuvre et l'autre pas ? Et on voit bien que la différence est à peu près indicible, tellement elle est minime. Et je crois que c'est encore une manifestation de ce que Ségalène appelait le divers. Oui, parce qu'on peut trouver l'autre à travers les mots, à travers le langage, à travers l'écriture, on peut aussi le trouver d'une autre manière. Oui, mais Henri Manseron, me semble-t-il, avait conscience de ne pas tout à fait le trouver, ou en tout cas, pas seulement de ne pas l'exprimer par une œuvre, après tout, on peut très bien s'en passer, bien entendu, mais il y a quelque chose de plus douloureux que cela, c'est-à-dire que il a le sentiment, dans certaines de ses lettres, même si c'est assez pudique, de ne pas s'être accompli, enfin, d'avoir sombré, d'avoir lâché quelque chose. Henri Manseron à Victor Ségalène. 11e escadrille de torpilleurs. Le Kabyle. Corfou, le 29 mai 1918. Mon cher Victor, que dois-tu penser de moi ? Je n'ai pas d'excuses et n'en allègue pas que la paralysie de l'intelligence amenée par la vie à laquelle je suis soumis. Mais qui vit selon ses goûts aujourd'hui, hormis quelques brutes ? Du moins pour toi, mon cher ami, je suis heureux infiniment que tu aies devant toi une trêve de tranquillité et que toi, au moins, tu puisses remplir ton devoir envers nous, qui est de maintenir incandescent le flambeau. J'ai l'impression que la meilleure partie de moi ne mourra pas tout entière, tant que toi, mon ami, tu pourras continuer de maintenir en tes amis quelque chose de vivant, toi, l'animateur, en nous communiquant un peu de ta flamme. C'est ce qui me console de ma paresse. Il n'est pas utile que je t'écrive. Que pourrais-je te dire ou te donner, si ce n'est cette confiance en toi-même que j'ai tremblé parfois de te voir perdre ? Tandis qu'il est nécessaire que tu nous écrives, n'abandonne pas tes amis dans l'aridité du désert intellectuel où ils se dessèchent. N'abandonne pas Henri et Riquette. Parce que tu ne sais pas à quel point nous vivons sur le fond que tu nous as laissé. Stèle provisoire. Ce n'est point dans ta peau de pierre, insensible, que ceci aimerait à pénétrer. Ce n'est point vers l'aube fade, informe et crépusculaire que ceci, laissé libre, voudrait s'orienter. Ce n'est pas pour un lecteur littéraire, même en faveur d'un calligraphe, que ceci a tant de plaisir à être dit, mais pour elle. Vienne un jour, elle passe par ici, droite et grande, et face à toi, qu'elle lise de ses yeux mouvants et vivants, protégés de cils dont je sais l'ombre, qu'elle mesure ses mots avec des lèvres tissées de chair dont je n'ai pas perdu le goût, avec sa langue nourrie de baisers, avec ses dents dont voici toujours la trace. Qu'elle tremble à fleurs d'haleine, moisson souple sous le vent tiède, propageant des seins aux genoux, le rythme propre de ses flancs que je connais. Alors, se déduit, enjambant l'espace et dansant sur ses cadences, ce poème, ce don et ce désir, tout d'un coup s'écorchera de ta pierre morte, ô précaire et provisoire, pour s'abandonner à sa vie, pour s'en aller vivre autour d'elle. On pourrait rappeler un peu les étapes du voyage en Chine. Il part pour la première fois en 1909. 1909, c'est ça. Il part en 1909 après avoir fait un an d'études de chinois à Paris, aux langues orientales. Il part donc en octobre
et il séjourne en Chine pendant 2 ans comme élève interprète de la marine à Pékin. Des fonctions assez imprécises, assez mal définies. Voilà, comme élève interprète, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre d'examens chinois, on pouvait être détaché en quelque sorte par la marine en Chine avec comme seule obligation d'apprendre la langue chinoise. Donc pendant 2 ans, il a ce statut et au début de son séjour en Chine, il voyage avec son ami Gilbert Devoisin à l'intérieur de la Chine. Puis ensuite, il séjourne à Pékin. Puis ensuite, pour essayer de prolonger au-delà de 2 ans son séjour en Chine, il se fait attribuer un poste de médecin à Tianjin, ce qui lui permet de rester en Chine au-delà de 1911. Il y reste jusqu'en 1913 comme médecin à Tianjin, puis auprès du général Yuan Shikai en 1913. Et ce séjour en Chine commence un peu à le décevoir à partir du moment où l'Empire, en 1911, est renversé. Pourtant, il n'a pas entièrement épuisé ce qu'il peut tirer de la Chine. Et il se tourne à ce moment-là vers l'archéologie, vers l'étude de la grande statuaire. Et il prépare une expédition archéologique qu'il organisera en 1913 et jusqu'au début de la guerre de 14. Avec Gilbert Devoisin et, Jean Lartigue, oui. Oui, d'ailleurs, on peut ajouter à ce propos que Ségalène a aussi été photographe, et un photographe tout à fait admirable. Enfin, je pense aux planches qui ont été publiées par Göttner de cette mission archéologique. Ce sont des photographies qui sont, sur le plan documentaire d'abord, à peu près irremplaçables aujourd'hui, et d'autre part, d'une extrême qualité. Je dis cela parce que j'ai toujours, moi, un peu de mal, mais en même temps, je suis complètement admiratif, enfin, un peu de mal à imaginer ces conditions du voyage de Ségalène et tout ce qu'il pouvait faire dans une même journée. C'est-à-dire qu'il faut penser tout de même à ce qu'étaient les expéditions à cheval, qui n'étaient tout de même pas une partie de plaisir, tout en affrontant un monde complètement étranger, en couchant sous la tente le soir, en photographiant, en maniant éventuellement la pelle et la pioche. Y a là une activité qui est vraiment renversante, et d'autant plus renversante que quand on voit les manuscrits de Ségalène, on a l'impression qu'il a passé sa vie en chambre calligraphiée. Oui, mais quand on regarde les dates et les heures auxquelles Ségalène écrivait, on s'aperçoit que c'était souvent 3h, 4h du matin, et Ségalène a brûlé sa vie de manière extrême. C'est ainsi, Tibet nombreux, que ce rythme et ce dénombre tes apothéoses. Comme des cloches, tes grands noms battent, comme des marques dans le temps. J'entends les fantômes de Tobod, ô Tibet, le mont accessible, celui vers lequel on se hausse et qui vous porte et vous grandit. Tobod et Lhasa. Lhasa, la ville où l'on n'arrivait pas, où l'on arrive. Ségalène accomplit son premier voyage en Chine en 1909. Il y reste jusqu'en 1913. Puis il revient ensuite quelques mois en France et reprend la route de Chine à la fin de 1913. Il y restera jusqu'en novembre 1914, rappelé en Europe par la guerre. C'est ça, oui. Il apprend le déclenchement de la guerre alors qu'il était aux confins du Tibet et que son voyage de mission archéologique devait les mener jusqu'à ce plateau tibétain qui était une sorte de refuge, de rêve dans l'univers mental de Ségalène. Le regard par-dessus le col n'est rien d'autre qu'un coup d'œil. Mais si gonflé de plénitude que l'on ne peut séparer le triomphe des mots pour le dire, du triomphe dans les muscles satisfaits, ni ce que l'on voit de ce que l'on respire.
Un instant, oui, mais total. Et la montagne aurait cela pour raison d'être qu'il faudrait se garder d'en nier l'utilité pesante. Tout le détour de l'escalade, le déconvenu des moyens employés, ses rancunes sont jetées par-dessus l'épaule, en arrière. Rien n'existe en ce moment que ce moment lui-même. Quelques pas avant d'y atteindre, et l'on s'avoue encore très dominé, très surmonté. Le sentier qui n'a plus raison d'être fourbe bute contre la hauteur qu'il doit enfin aborder franchement. Il ne faut pas renverser la tête en arrière et devancer du bon des yeux la marche enfin rythmique, obtenue. Il vaut mieux fixer les yeux sur ses pieds que dans le ciel. Ce sont des conseils de route et vulgaires. Mais atteindre le but au hasard est plus déconcertant que le manquer, et l'on sait à quel étonnement cela conduit. Il faut saisir le but dans un équilibre tel que l'ampleur en soit balancée et conquise. Il faut rester digne de lui, ni trop reposé jusqu'à l'oubli de la dépense, encore moins époumonné, ni épuisé. Mais dans cet état désirable où la fatigue est plus que surmontée, dépassée, dans cette ivresse palpitante et dynamique où le corps entier jouit de lui. Les orteils, écarquillés comme dans le geste des sculptures antiques, se dilatent dans les sandales serrées aux chevilles. Les épaules et la tête pèsent juste ce qu'il faut sur le dos, et les tempes battent d'allégresse, et le cerveau fiévreux de joie se comprend et se conçoit comme un organe heureux de vivre et digérant avec vigueur sa pensée. Alors, ne pas s'élancer, ne pas s'arrêter, mais donner à point le dernier coup de rein pour s'affermir sur la hauteur conquise et regarder. Ce Tibet qui va rester complètement mythique puisque la frontière n'a jamais pu être traversée et qui le conduirait jusqu'à ces très hauts plateaux, elle va demeurer pour Victor Segalen l'expression même, le terme de son voyage poétique. Même là-haut, même ici-haut, je cherche éperdu l'autre, l'autre, la reine du royaume d'ailleurs. Dans cette course échevelée, dans ce paradis sans apôtre, le jeu du divers aux yeux railleurs. Que serait-elle ici pour toi, ton climat et tes âpres fruits? Saurait-elle mordre à belle bouche? Que dirait-elle devant toi dans ce haut règne de l'esprit? Se taire et s'incliner sur la couche. Je ne dis point l'aborigène au pelage doux sur la peau, mais l'autre, la mienne et fraternelle. La blême, blanche, équivoque, et si pareille en ses appos, paraître d'une vertu maternelle. La sœur de sang, du même sang, de même vertu amoureuse. Ô sœur dans la fête incestueuse, que dirait-elle dans ton sein? Saurait-elle harmonieuse se taire, et là-bas, vivre et jouir? Alors après, il va revenir en Bretagne. Alors, il est donc affecté sur le front en 1916, puis ensuite il est envoyé en Chine. Il se rend pour une troisième fois en Chine en 1917 pour participer à une mission de recrutement de main-d'œuvre, puisqu'on manquait de bras dans les usines d'armement et il fallait de la main-d'œuvre. Et donc on a été en recruté en Chine. Il est envoyé en 1917 par la Norvège, la Russie, le Transsibérien, jusqu'en Chine, où il recrute donc un certain nombre d'ouvriers chinois. Et il en profite pour faire aussi des recherches sur la grande statuaire, des recherches archéologiques. Il revient fin 1917, mais son voyage de retour est ponctué d'incidents.
Il est bloqué pendant un certain temps à Singapour par un accident de navire. Ça lui donne du temps pour travailler. Mais d'un autre côté, ce voyage l'épuise et on sent un certain sentiment de solitude chez Ségalène à ce moment-là. Donc il revient en France avec des manuscrits nombreux, mais en même temps avec un épuisement qui est visible dans ses lettres. Et dans un état d'affaiblissement assez grand, il se retire seul dans un petit hôtel de l'intérieur de la Bretagne, dans la région des Monts d'Arrée, dans le petit bourg de Huelgoat. Et à partir de là, il fait des promenades à pied dans un paysage qu'il avait connu dans son enfance. Il y a une sorte de cycle qui se ferme. Et au mois de mai 1919, on retrouve le corps de Victor Ségalène sans que l'on puisse clairement dire ce qui est précisément advenu à Victor Ségalène ce jour-là. Il est découvert, étendu sur la mousse, son manteau plié sous lui, à côté de lui un volume des œuvres complètes de Shakespeare, ouvert à la page de la tragédie de Hamlet, et on ne sait pas quelles ont été exactement les causes de sa mort, bien qu'il ait eu une blessure qui peut expliquer cette mort ainsi. On a pensé qu'il avait pu être blessé par une branche coupée de jonc. Exactement, par un jonc coupé qu'il avait blessé à la jambe. Oui, en même temps, on se rappelait que Ségalène était médecin et cette explication m'a toujours semblé un peu insuffisante. Enfin, il semble que Ségalène était capable de se faire lui-même un garrot et... Mais de toute façon, on en est réduit aux conjectures à propos de la mort de Ségalène, et c'est là qu'on revient complètement enfin, à la littérature, parce que on ne peut relire et déchiffrer et interpréter à l'infini ces derniers moments de Ségalène qu'à travers ce qui a été toute son aventure littéraire. Et sa mort, de ce point de vue, n'est pas très différente du reste, c'est en cela sans doute qu'elle nous fascine tellement. Absolument, et sa mort a été en quelque sorte comme pressentie et annoncée dans un certain nombre de ses écrits à travers les morts mystérieuses de plusieurs de ses personnages, celle de René Leys. Absolument, on peut penser très précisément à la fin de René Leys, et d'ailleurs, quoi qu'on dise à propos de la mort de Ségalène, on en sera réduit à répéter ce qu'il dit de celle de René Leys, c'est-à-dire suicide, point d'interrogation, oui ou non. Et en fait, on ne peut jamais se décider entre le oui et le non. Toute la leçon de Ségalène, elle tient dans cette hésitation perpétuelle entre le oui et le non, et on peut se demander si, au fond, si c'est pas dans cet entre-deux, dans cette hésitation, que se tient tout le tremblement de la vie. Et pour la dernière fois, je referme ce cahier, non sans y écrire ce qui suit. J'ai relu ce manuscrit, mot par mot, dans un corps à corps et une émotion grandissante, non plus avec mon doute ni ma défiance, mais établissant l'irrécusable certitude de ma propre culpabilité. René Leys ne s'est pas tué. On ne l'a pas empoisonné. Et pourtant il est bel et bien mort par le poison. Ce paradoxe est le plus véridique des aveux. Le poison, c'est moi qui le lui ai proposé. Certes, le plus méchamment du monde. C'est de moi qu'il l'a reçu, accepté et bu. Et cela, depuis notre première entrevue. Tout ce que j'ai dit, il l'a fait à la chinoise. Puisqu'il vient à la chinoise de m'en donner par sa mort la meilleure preuve, qu'il préférait perdre la vie et sauver la face, et ne pas se trahir ni me trahir, et ne pas démériter. Tout ceci est donc vrai. À la chinoise, à bien réfléchir, sa part est donc beaucoup plus riche que la mienne. La jeunesse d'avoir osé cela.
la foi peut-être de l'avoir accompli. Et je suis là, vivant, promenant autour de sa mort mon doute comme une lanterne fumeuse. Alors que, fidèle à lui-même, et je m'en aperçois tout d'un coup, je devrais d'abord me souvenir de sa parole, l'autre, l'empereur, est mort sans un ami auprès de lui. J'étais son ami, m'a dit avec un profond accent René Leys. J'étais son ami, devrais-je dire avec le même accent, le même regret fidèle, sans plus chercher de quoi se composait exactement notre amitié, dans la crainte de le tuer, ou de la tuer une seconde fois, ou ce serait plus coupable encore d'être mis brusquement en demeure d'avoir à répondre moi-même à mon doute et de prononcer enfin « oui » ou « non ». Une vie, une œuvre, Victor Segalen ou le voyage au pays du réel, par Claude Métra, avec la participation de Gérard Massé et Gilles Manseron. Les textes extraits de Stel, Équipé, René Leys, édition Gallimard, Tibet, édition du Mercure de France, Trahison fidèle, Victor Segalen, Henri Manseron, correspondance 1907-1918, édition du Seuil, Le maître du jouir, cité dans Victor Segalen, Regard, espace, signe, édition de l'Asiathèque, ont été lus par Jean-Louis Jacopin et Claude Berman. Enregistrements et mixages, Agnès Boissonnade, Jean-Paul Herbert, Claude Jubier. Réalisation, Jean-Claude Loiseau.